Bonsoir. Ouais. Bonsoir. Je m'appelle Cohen. Donc, c'est la présentation donc, du nouveau set de Cohen et les petites histoires à la maison. Donc, ce que je vais vous interpréter, c'est un extrait de texte qui figure sur un manuscrit que j'ai écrit qui s'appelle donc les Cohen et les petites histoires à la maison. Il y a à peu près 6 ou 7 textes. Introduction donc. Bien le bonjour, me revoilà, Cohen, avec dans le rôle principal, Cohen tout seul, mais qui revient vers vous, mon très cher public, avec un répertoire tout chaud, tout neuf. Il faut s'habituer au micro, hein, d'accord? Avec un répertoire donc tout chaud et tout neuf. Et oui, j'ai plusieurs cordes à ma plume. Voilà de nouvelles flèches, comme de tout petits pains, sorties du four, tout chaud, tout flamme. En ce qui concerne la forme, j'ai choisi de soumettre, peut-être le terme est-il un peu fort, plutôt suggérer. J'ai donc pour la forme préparé des petits poèmes, en forme de clin d'œil, des petites comptines, des petites pièces montées, avec bien sûr, comme vous savez toujours Cohen, il y a la petite morale qui va avec. Plus précisément, donc il s'agit de morceaux choisis et de courts-métrages. Pour le fond, en petite coupure s'il vous plaît, il me faut vous prévenir que ce qui va suivre n'est pas à prendre à la légère, même si le ton choisi reste léger, comme la forme je vous l'ai dit. Ainsi, pour la performance de ce soir, j'ai choisi de mêler rires et pleurs, de les rapprocher, de les confondre, sans les dissocier, travaillant comme il se doit le double sens des mots, plutôt en les caressant dans le sens du poil, pour ne pas déranger le chat qui dort. À poil le chat. Cohen, pour vous ce soir, c'est le même qu'hier. Une longue présentation, mais franchement, c'est pour vous dire super heureux de vous proposer des inédits, des pièces rares en ce lieu, ce soir, le Moulin à Café, que je remercie de m'accueillir, bien sûr, avec tout le staff qui va avec. Voilà, ce qui est dit est dit, est rendu. Je l'avoue, mais je voulais vous faire la surprise. Sans déconner, certaines de ces petits bijoux, allons-y pour les mollets gonflés, sont plus longs que d'autres, courts et longs, pour toutes les tailles. Tous portent en eux de l'oxygène pur. C'est pour tout de suite, c'est bientôt. Pour ceux qui me connaissent déjà, et pour tous ceux qui me découvriraient en cette belle soirée d'été, je n'ai pas changé mon fond de caisse, pas d'un poil. Je parle des liens qui unissent terres et hommes. Homme et nature, de la dualité, le bien, le mal, pourquoi, comment. Mais cette fois-ci, j'ai choisi plus légèrement, peut-être pour rendre les choses plus compréhensibles, comme si l'humour percevait plus loin, au-dedans, les choses de la vie qui sont compliquées. Un ton léger pour faire des miracles, là où les choses font du bien ou du mal. C'est ce soir, c'est maintenant. Je vous invite à me suivre, entre les mots, en avant, en arrière, dessus et sans dessus, dessous. Que le voyage commence. Enfin, mille pardons, quand le verbe se fait chair, il coule les mots qui font du bien. Les voilà, les mots, les idées, la vie dans l'envie. Donc, ceci étant dit, c'est une longue présentation pour vous expliquer que je vais passer un moment avec vous avec donc de la musique de relaxation pour fond sonore avec laquelle j'ai travaillé des textes et des tonalités de guimbarde. Donc c'est un voyage dans l'immensité du cosmos. Voilà, je vous remercie de m'accueillir ce soir, je vous remercie d'être là pour ceux qui sont là et bienvenue au voyage. Merci. Spacci, donc série de 4 disques de relaxation, opus numéro 1, Tranquility, voilà, donc partons en voyage.
départ, les textes. Top départ, Cohen solo, Yan numéro 1, texte en semence. Pour entamer cette soirée, faisons simple mais efficace. Commençons par le début. La graine, la semence, semer et puis quoi? Récolter. Voilà comment l'on sème. En sémant, voilà, en semence. Texte 1, titre 1, en semence. En ce moment, dit le paysan à sa femme, il faut semer. Alors on sème pour deux raisons. S'aimer pour ensemencer, c'est une chose qui va de soi. Deuxième chose, on sème pour récolter plus tard les fruits, évidemment. Évidemment, chuchote à l'oreille le paysan à sa douce, les fruits de la passion. Puisqu'on sait aimer, ce sont de belles graines d'amour qui feront de beaux fruits d'amour à partager, comme cette précieuse pomme d'amour que le paysan, sa femme et l'enfant croqueront à pleines dents. Tellement d'amour qu'il faut, tellement d'amour qu'il faut semer, c'est le commencement de la graine dans la terre, jusqu'aux fruits. Récoltons ce que nous avons semé et sauvé, dit le paysan. Et oust du balai, en avant la marmaille, il est maintenant venu le temps de se mettre à table. Ainsi, pour aller manger. Bon appétit, messieurs, dames, bon appétit. Ainsi va la vie, la nature qui nous nourrit. Ainsi va la vie, à la vie, la nature qui nous nourrit. Bon appétit, mes amis. Voilà, nous sommes donc sur la première piste toujours de l'opus de Spacchi. Je vais me permettre de m'hydrater. C'est une performance, il y en a pour deux secondes. Tout est en direct, tout est fait, chaudement répété, mais avec l'angoisse un petit peu de. Avec le fait de se retrouver. Voilà. J'écris sur toi, mon arbre,
ces choses si tendres. Pour écrire au départ, la feuille était toute verte, puis est devenue blanche. Comment se fait-ce? Le vert de la feuille de l'arbre et le blanc du papier. Feuille contre feuille, œil pour œil, dent pour dent. Là, on arrive au moment crucial entre le passage des deux morceaux. Donc on va combler les trous, non, déconne, c'est un peu dur. On va faire résonner les cloches. Œil pour œil, dent pour dent, arbre, de toi on prend pourtant. Le monde n'est plus rien sans toi. Pourtant ce monde oublie de te rendre grâce, tant et tant de bois coupés, de papier, comme je pressens ce jour qui pourrait venir, où à force de couper et de couper, toujours plus coupant, couper, couper, occupant, occuper, occupant ta vie en deux, comme au temps des origines, au temps des cataclysmes, des dinosaures. C'est invraisemblable, jusqu'à ce qu'agonise notre présent, ce qu'on est en train de pomper dans la forêt de l'Amazonie, pour faire le plastique, le truc. C'est de la merde, voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Jusque des mots parfois forts pour dire des choses qui sont vraies. Je vous passe les détails sur ces cauchemars qui me hantent au saut du lit. Comme je sortirai de mon lit et je me trouverai sur un tapis de papier que je salirai, voilà. Un vœu qui s'élèverait au plus haut des cieux. Ô ciel, c'est un désastre qui risque de nous anéantir. Au train où vont les choses, tant de choses qui semblent logiques, normales. Alors pêle-mêle comme une prière, un vœu qui s'élèverait au plus haut des cieux pour toucher le monde entier, petits et grands, un souhait. De grâce, prenez garde, c'est tout simplement notre poumon que nous détruisons, l'asphyxiant bel et bien. Je vais raccourcir un peu le texte en vous disant quelque chose. Pour l'avenir, il y va de la conscience de chacun de nos enfants d'être conscient. Arbre, roi des rois, roi des forêts, que j'aime ta verdure. Un slogan, j'aime mon poumon, j'aime mon poumon. Attention. Merci. On est sur le Spatchi numéro 2. Donc je vais vous jouer Down Meditation. Je vais partir sur un petit morceau de Gimba.
mène loin, qui part loin, qui se ressent, qui vibre partout, portant avec lui des vibrations. Le cœur de l'homme et le cœur de l'instrument, le cœur du fer et l'amour. Mes amis, avec la guimbarde, on peut aussi rigoler, on peut aussi sourire. Je vais partir sur le troisième texte que j'ai composé, donc je suis très content. Je suis très content parce que tout marche bien et pour l'instant, il n'y a rien de cassé. C'est-à-dire que la guimbarde n'est pas cassée, le micro fonctionne, j'ai du temps devant moi. Je voudrais vous dire des choses essentielles, des choses que je n'ai absolument pas préparées parce que j'aime bien le moment de performance, c'est-à-dire de dire des choses qui sortent au moment où ça doit sortir, quand ça doit sortir. Comme, c'est pas comme si moi, j'ai quelque chose contre les artistes, l'art en général, c'est-à-dire que à force de répéter des milliards et des milliards de fois une formule, on arrive à en oublier la vraie essence, ce qui est vrai et faux à la fois, parce que en reprenant, en répétant quelque chose des millions de fois, il est vrai que cette chose va se délivrer, délivrera un message qui est celui-ci. Et donc entre répéter ou pas répéter, je dirais que c'est pareil. C'est la petite minute sympa. Donc voilà l'explication de mon art, de ma vision de l'art, du lard ou du cochon, hein, on s'en fout, voilà. Alors texte 3, on va rigoler sur le texte 3, je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est un poème avec Peter Pan. Peter Pan, ouais, voilà. Donc voilà. Donc, alors là, ça va bientôt être la fin du deuxième morceau du Spatchil. Est-ce que vous êtes bien? Est-ce que vous vous sentez bien, s'il vous plaît? Oui, allez, oui, dis-moi, oui, voilà. En ce moment, merci. Et, ouais, c'est super, merci, mademoiselle. Voilà, merci, c'est bien. On est à l'Accor Arena Hotel. Après, je vais dormir dans une suite avec une quinzaine de pièces. Je vais passer toute la nuit à faire toutes les pièces. Donc, je vais... Avec la... Allez, goutte de pluie. Goutte de plus. Nature, nature. Comme je t'aime. Restons avec toi. Parlons un peu de ce qui vient du ciel et ce qui irrigue notre plancher. Le plancher des vaches. Un poème avec Peter Pan. Ah, 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 arrive le Spatchil, la fin du Spatchil. Donc, quelque la transition, voilà, la transition. Alors donc, nature, comme je t'aime, comme j'ai restreint, parlons un peu, voilà, et qui vient irriguer le plancher des vaches. Un poème avec Peter Pan, qui mène le bateau. Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai choisi, j'ai trouvé ça marrant, c'est tout. J'aime ce Peter Pan de Walt Disney. Bon, bref, c'est le capitaine à bord, vous allez comprendre. Voilà Peter Pan, tendons l'oreille. Que nous dit-il? Goutte de pluie, goutte de plus. Texte 3, titre, goutte de pluie, goutte de plus. Goutte de pluie, le temps se couvre, c'est le moment de se vêtir chaudement. Quand, aux aguets, les nuages s'amoncellent, ça va péter, dit Peter Pan. Goutte de pluie, goutte de plus, sortons pendant que l'orage éclate. Peter Pan, toi tu ris de cette pluie qui s'abat maintenant sur le sol, le fertilisant. Le fécondant de chaque goutte de pluie. À chaque goutte de pluie, son morceau de terre a fécondé. Harmonie des choses. Au goûter, Peter Pan goûte la pluie. Peter Pan comme un pont entre ciel et terre. Le miracle s'est accompli. Il pleut, comme le ciel est sombre et noir, rempli d'eau de pluie. Il pleut avec, pour ceux qui le désirent, le choix. Une pluie salée comme l'eau de mer
l'eau de pluie tout simple pour l'eau courante. C'est Peter Pan qui fait des siennes. Il fait des tours de magie. Il commande les eaux. Et surtout leur qualité, salée, poivrée, plate. Peter Pan dit maintenant, à chacun son eau, que chacun mette de l'eau dans son vin. Et l'eau avec un O géant comme océan se tiendra comme il le faut. Plus de débordement, Peter Pan dit oh tiens, oh oh oh, tiens-toi à carreau. Attention, la nature demeure fragile, si sensible, patiente, mais toutes choses ont des limites. Peter Pan, je reviens vers toi pour cette pluie que tu décides de doter de ses qualités, surtout sur cette phrase se tiendra comme il le faut, plus de débordement. Peter Pan dit oh tiens-toi à carreau. Voilà, je n'insiste pas parce que je voulais pas quitter ce texte, il est trop beau. Donc pour finir, dire que toute chose a des limites. Au revoir Peter Pan qui monte au ciel, qui fera ce qu'il doit faire et qui s'en retourne dans ses eaux, là-haut, tout là-haut. Merci. Sur un texte. Nous sommes au Spatchi numéro 3e morceau. Il reste 4, 5, 6, 7, 8. Faites la soustraction. Vous en êtes capable, je le sais, je le sais. Je vous sens capable. Vous êtes toujours là ? Oui ! Oui ! Ouais ! Bon. Alors maintenant, deux textes qui se tiennent la main dans la main. Donc, liant 5 et 6, texte tranquille et le froid et le chaud. Mes chers amis, voyons ce qu'un brin de repos, tranquille, assis, peinard, réfugié sous un cocotier au moulin à café, nous ferait. On abandonne un peu la nature pour mieux s'y reposer. Pensons un peu à nous. À nous, quelle chaleur, oups, tranquille, c'est juste avant le chaud et le froid. Deux poèmes liés entre eux, comme les cinq doigts de la main, vous allez saisir. Peter Pan aussi aura saisi. Texte 1. Tranquille. Prends du recul, tranquille, tranquille. Si tu te sens abusé, étouffé, acculé, le temps qu'il s'agit de prendre, c'est le temps qu'il te faut. À qui c'est attendre, d'où vient ta point ? Ou d'où vient ta point pour qui c'est attendre ? Une seule formule qui fonctionne dans les deux sens. Tranquille, tranquille, tant de choses qui vont si vite. C'est notre monde, t'inquiète, c'est lui qui va trop vite. Il court, il ne cesse d'aller de plus en plus vite. Vite, 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 je dis qu'il court à sa perte. Il semblerait qu'il fonce droit vers un immense mur. The Wall, Pink Floyd. Hommage. Tu es le monde, à toi tout seul, comme chacun de nous tous. Appelle un chat. Ce que tu fais de tes deux mains, c'est le monde de demain. Ça défile, il tombe en miettes, notre monde. Comme un alien, alors quoi ? Eh bien, tranquille, dors tranquille.
n'inverse pas les rôles. C'est lui qui file un trip de folie, de ouf, pas toi. Alors vas-y mollo, rien de tel que de prendre son temps, d'être dans le moment d'une pleine conscience de ses actes. Ça c'est la formule aristocratique. Un trip de ouf, rien de tel que de prendre son temps cool, tranquille, comme le père tranquille, à l'aise, blaise, cool Raoul. Hein, bah ouais, voilà, on est là. Hein. Sache que la foi déplace les montagnes, garde l'espoir. Et cette foi, là comme ça, l'espoir, la poire de l'espoir, 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 et de la foi guideront tes pas jusqu'au bout, droit au but. T'inquiète, ne laisse pas tomber cette poire, ce fruit si sain. T'inquiète, ne laisse pas tomber cette poire, cette poire, cette poire, cette poire. Plus 4, relax, justement, du spa chill. Je vais vous épargner toutes les morales qui vont. Je vais essayer de contracter un peu le texte au niveau du temps, ça va être un peu chaud. C'est cool, ça va. C'est pas moi qui parle d'être tranquille et de me mettre à speeder, ça serait un peu contradictoire. Non, balade-toi du côté de l'espoir, du côté de la foi. Préserve-toi du malin. Évolue dans tous ces beaux jardins où se respirent tant de senteurs délicieuses. Cueille les fruits défendus. Balade-toi dans Paris, dans les parcs, dans ce qui reste de viable pour pouvoir marcher, sentir, ressentir la nature. Ces quelques petits pots de fleurs qui traînent par-ci par-là. Profites-en. Et si peut-être que si tous nous serons à sentir, à ressentir ces effluves, peut-être que cela sera sauvé. Alors donc, cueille les fruits défendus avec bonté et humilité tranquille. Maintenant, fais ce qu'il te plaît. Octroie-toi repos, sois sans crainte. Le grand architecte, c'est fait, c'est fait. Prends ton temps, c'est là mon dernier mot. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Pour finir la petite morale en italien, c'est celle du père tranquille qui va piano. Ça, tranquille, mon coco. Merci. Donc sur ce texte, sur cette musique du Simplice Pachi, numéro 4, c'est une guimbarde en sol que je vais jouer maintenant. Thank you.
donc Gimbard en sol. Le lien avec le prochain texte, donc prochain texte, ça s'appelle le froid et le chaud, qui sont directement liés l'un avec l'autre, c'est-à-dire avec tranquille. Donc il va y avoir une transition, j'attends une transition entre le morceau numéro 4 là et le morceau numéro 5. Voilà. Donc je vais entamer un petit peu le texte. Non, je vais faire autre chose, je vais faire un peu d'harmonie, de sonorité en attendant. Excusez-moi du peu, mais tellement de choses affreuses qui nous submergent partout. Je ne dis pas que je ne suis pas affreux, je suis peut-être affreux pour quelqu'un, mais j'en suis conscient que je suis affreux et affreux aussi. Voilà. Le froid et le chaud. Allez, hop, on arrête. Anecdote. Assis, debout, plutôt assis pour moi. Et si possible, Tonio, s'il te plaît, si possible en terrasse fumeur. Je veux mon vœu. À l'époque, c'était quand je fumais mes petites cigarettes. Interdite. Bon. Chaud ou froid, me dit-elle. Je réponds, c'est suivant le temps qu'il fait. Soit l'un, soit l'autre, mais ce peut être les deux en même temps. Ou l'un marié subtilement à l'autre. Comme c'est si bon de savourer sous un putain de cagnard. Canard comme un cagnard, soleil de feu, assis de côté, un peu calé sur son siège. Entre ombre et soleil, tout comme un clair-obscur, j'ai dit savourer un verre d'eau gelée, pour moi carrément glacée, accompagné de quelque chose genre, on va dire, jus de mangue, jus de goyave, banane, poire, pamplemousse, avec un petit verre de calva aussi, un petit vin rouge, on va pas dire, je suis pas anti-alcoolique, moi, hein, chacun fait ce qu'il veut, hein. Bon, voilà, donc tout aussi givré comme mon palais qui raffole de ses mets délicats, ses jus fruités. Je réfléchis, comme ça me rafraîchit, je réfléchis. My God, mon Dieu, quoi d'autre à ce sujet? Les pôles extrêmes qui s'attirent et se repoussent. Avec moi, rien n'est opposé. J'aime changer l'ordre des choses, ordonné, un tantinet miné, désarçonné comme un lézard sonné, mélanger les opposés. J'adore ça, c'est mon kiff. Peace, love, fun. Merci mademoiselle, que vous êtes jolie. Ça, c'est la rondelle sur le citron, sucré dans le cocktail, le kiff royal. Alors, certains disent art de table, art de vivre, ou étrange habitude, peu importe, être un ange au pays des fées et des cafés,
des jus de fruits ou des thés. En plein été, savourons les contrastes sans vexer les contraires. Voilà pour le chaud ou le froid. À ta santé, mon Dédé. À ta santé, mon bébé. Merci. Nous sommes au cinquième opus du Spatchi. Il est 21h11, à moins que je me trompe, c'est un peu loin. Je fais une petite pause verbale, je vais m'hydrater. Il me reste deux textes à faire et j'ai trois morceaux. Donc on a du temps à passer ensemble. Est-ce que vous avez prévu vos sacs de couchage? Non? Ah, il fallait, parce que ce soir, exceptionnellement, on dort ou on a un café. Tout le monde arrête de travailler. Tout le monde déménage. Tout le monde dit, comme les gilets jaunes, hein, eh oui, j'en suis. Tout le monde dit, allez, on se donne la main dans la main. Ton frigo, c'est mon frigo. Ta terre, c'est ma terre. Ta maison, c'est ma maison. C'est quoi ça? On est au 21e siècle. Mais oui. Malheureusement, la révolution n'a pas bonne presse, ou alors elle se fait l'apologie de certains. C'est absolument incroyable. Mais nous restons calés sur ce qu'on peut caler. Donc c'est... J'ai dit que j'allais m'hydrater, après je vous laisse la surprise. À ta santé. Merci. Il me reste 40 secondes. Non, je vais pas faire un morceau de guimbarde. Un peu de guimbarde, d'accord. Okay, alors on va essayer, mais ça va être court. Ça va partir sur l'autre morceau. Je suis désolé, non. Donc, je vais faire une harmonie de bol. Vous aurez de la guimbarde après, vous allez, il n'y a pas de souci. Comme on peut. Un orage, pardon. C'est comme ça. Il veut du mal, c'est une méchante bébête. C'est une méchante bébête, le mec. Ok, allez. De la guimbarde, on veut de la guimbarde, je m'exécute donc. Guimbarde en ré. Thank you.
Ça allait, c'est bon. Ouais, c'est cool, merci. C'était une guimbarde en ré. Donc on est au Simplice Pachi numéro 6. J'ai deux textes encore à vous faire partager. Je vais m'hydrater et je vais prendre ces deux textes à bras le corps. Patchil opus. Donc j'ai un texte, soit dit en passant, ça doit être le plus beau et le plus qui collerait avec l'actualité. Ça s'appelle l'auréole, vous allez comprendre pourquoi. Il y a un lien et il y a un passage entre le sixième et le septième texte. Donc on va attendre, je vais faire un peu de bruit. On est à l'avant-dernier morceau de cette performance. Il me reste deux textes, donc je vais un peu de guimbarde privé. Allez, donc l'auréole, mon cher public. Après toutes ces péripéties, ne m'en voulez pas, s'il vous plaît, de tant et tant aimer notre mère, la terre, et ce que l'homme en fait. Je reviens avec mes gros sabots au courant. Au courant. Au courant de quoi vous allez saisir. Parlons de ce qui se transforme, ce véritable miracle qu'accomplissent homme et nature, main dans la main. Surprise. Un texte sur la cohabitation, non pas entre l'Élysée et le Sénat, mais dans le monde rural et nos cités gigantesques. À la une, à la deux, on saute. Énergie, énergie, énergie. D'où tu viens? Qui es-tu? Voilà l'or de l'éole. Voilà l'auréole. À l'auréole. À l'auréole, tu tournes et tu tournes tes pales, tes hélices, quelle délice. Tu nous donnes tant et si bien. Tant et si bien que c'est la voie qu'il faut suivre pour demain. Et tout ça avec rien qui ne pollue. L'atmosphère, atmosphère, atmosphère. Éole, tu as pensé à ceux qui viendront plus tard.
après nous, c'est l'or de l'éolienne, trop peu mise à l'épreuve. Mais le geste est là, à l'ouvrage, ici et là. Moi, je me souviens quand je descends, quand je fais des trajets partout, avec le TGV, ça s'appelle plus TGV, je sais plus comment ça s'appelle. Oui, TGV, voilà, bref. En traversant les plaines, on voit des immenses pales, les hélices, elles sont merveilleuses. Et oui, et donc tu as pensé à ceux qui viendront plus tard, après nous. C'est l'or de l'éolienne, à l'ouvrage. Moi, je nage dans ton or, éole. Tu es partout, dans le souffle du vent. Tu es le vent, et comme par enchantement, tu es dans l'ampoule qui s'allume et qui s'éteint. C'est l'or qui sera toujours là, night and day, chaque seconde, travaillant sans relâche, en pleine nature, ne cessant de souffler dans nos maisons, des campagnes aux cités les plus habitées. L'éole, c'est la nature qui nous épaule, cette éolienne. Elle me plaît bien. S'il vous plaît, coiffons-la d'une auréole, l'éole. Dame du vent, reine des vents, donnant, allaitant pour les hommes et les femmes d'aujourd'hui et de demain. 100% s'arrêter de souffler, sans s'arrêter de souffler. Tu tournes, toi qui jamais ne t'épuises, alors que moi je m'épuise à parler de toi, mais ce n'est pas en vain. C'est pour la cause. L'entendu des causes, ni l'oubli de laisser tourner ses hélices. Bouge, bouge mon éole. Merci l'éolienne. Merci l'éolienne. Hello, allô, ici l'eau, oui. Je suis comme le vent, je crée le courant. L'eau courante fait l'électricité. Sur mesure, me souffle-t-elle au combiné. Moi aussi, j'y suis pour quelque chose dans l'ampoule. Un slogan, hydro, pas idiot. Voilà, hydro, pas idiot, comme j'aime mon poumon. On aura retenu ce soir deux slogans, j'aime mon poumon et hydro, pas idiot et éolienne. Voilà, celui-là, voilà, donc... Je suis dans l'ampoule, hydro, pas idiot, intelligent, reste le troisième larron de la farce. Devinez quel est le troisième larron de la farce ? Non. Non, on a eu donc l'eau, le vent. C'est quoi les énergies renouvelables ? C'est facile, c'est une question à deux balles. Bah, c'est le soleil. Ah, bah ouais. S'il n'y avait pas le soleil quand même, bah non, bah ouais. Donc avec celui-là, la couleur, jaune poussin cousu sur son blason. Mettons-le à l'honneur. Pas de jaloux. Il est aussi dans l'ampoule. C'est notre beau et majestueux soleil. Pour finir, ce sur quoi tout cela tient, celle qui accueille tout ce joli monde, notre mère, la Terre, qui telle une souche, un socle, un sol, un roc, fait tourner le monde d'ici depuis le premier souffle du vent de l'éole, purgeant, donnant par l'amour comme deux aimants s'attirent, accompagnant, accomplissant le miracle de transformer nature dans l'humanité. Car peut-être qu'elle aussi, l'éole, elle veut la terre, pardon, dans son rêve. Elle rêve de continuer à vivre. Quel bonheur, consciente, la planète est encore vivante. Elle veut le rester. Elle demande le besoin et l'envie, le désir de vivre entre l'homme et sa peau. Et sa peau. Tout cela demeure une vérité. Anecdote, peut-être. La Terre accueille pour nous tous. Chacun est citoyen du monde. Ni droit du sol, ni droit du sang. Amour anarchie, revenant à mes premiers amours de monsieur Léo Ferré. Hommage. Tous unis. Never give up the fight. Peace, love, one God, one love. Mais prudence.
L'espoir, l'espoir. Ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir sauvé. Merci, Léon. On te coiffe d'une auréole. L'auréole. Attention. Pour accueillir le dernier texte. Mesdames et messieurs, mes âmes et messieurs, voilà, c'est quelque chose qui est beau, hein. Merci. Voilà, donc, on est au dernier texte, en fait. C'est le dernier morceau. Donc, ça va bien s'arrêter, voilà. C'est important. Il y a en 10 textes, 10, que donne. On approche doucement mais sûrement, voire irrésistiblement, de la fin de cette performance. Peut-être est-il un peu tard, mais s'il vous plaît, mesdames, mes âmes, ne couchez pas de suite les plus petits, car j'ai composé une petite comptine spécialement pour eux, de 7 à 77 ans. Voilà. C'est une quenotte que je vois là, bébé. Prends-en soin. Fais-y gaffe, ouvre tes grands yeux, bébé. Voilà ce que deviennent les quenottes. Écoute. Texte 10, quenotte. Bébé fait ses dents. Quenotte, quenotte, quenotte. Bébé pleure tout le temps. Dis donc, bébé, qu'as-tu fait de tes dents? Pouf! Ah ah ah! En voilà une quenotte. En voilà une quenotte. Que j'aperçois sous l'oreiller. Quenotte, la petite souris va passer. Attends-toi qu'elle n'en finisse pas de tomber, les quenottes. Alors maman va se coucher tard, elle va pas beaucoup dormir, papa non plus d'ailleurs, mais bébé pleure encore. Et voilà, à la gueule, les souris sous l'oreiller n'en finissent pas de passer, attendant patiemment la quenotte sous l'oreiller. Courage bébé, sois sage, la dent de sagesse viendra bien assez tôt. Et les quenottes tomberont l'une après l'autre. Voilà, c'est toute ta fortune, bébé. Maman va te montrer comment trouver les gentilles petites souris sous l'oreiller et les bonbons qui vont avec. Sache, bébé, que en même temps que tu les perdras, tes quenottes, les souris, elles, sauront où les trouver. Moi, bébé, je vais te dire un secret. Un jour, tu te feras des copains et des copines souris. Et même, vous devinez quoi? Un doudou, une jolie petite souris. Une anecdote comme ça, ma sœur a gardé son doudou de l'âge de 2 mois. Et c'est une petite souris jaune à qui il manquait presque tout. Les oreilles, les yeux, la queue, mais il restait l'objet, la souris, avec tant d'amour qui baigne dedans. Voilà, donc mon bébé, je vais te dire un secret. Un jour, tu te feras des copains et des copines, et donc un doudou, quand les quenottes, en grandissant, te feront pleurer. Bébé, vive les quenottes et les souris. Allez, à toutes tes dents, bébé quenotte. Voilà. Merci pour votre attention. Vous pouvez coucher, bébé. Mais pas vous, bien sûr. Moi, je vous tire mon chapeau, mes dreadlocks. Que du bonheur à vous souhaiter, en espérant que le voyage vous a plu. À bientôt, quelque part, sur la Terre. Merci beaucoup, vous avez été merveilleux, mes âmes et messieurs. Je vous aime et je vous souhaite le meilleur qui soit au monde. Je vais terminer avec un peu de guimbarde pour le staff. Ouais, merci, c'est sympa. Sympa, donc guimbarde, et puis après le cantonis s'arrêtera, et ben on ira tous les uns chez les autres, et on fait la fête jusqu'à l'an 2090, voilà, on va dire ça. Ouais, chez toi. Ouais. Donc, on va.
De m'accueillir comme ça depuis un bout de temps mais j'avoue que je suis de plus en plus heureux du résultat de mon travail parce que c'est un travail, comme j'ai dit, un morceau de travail, beaucoup de travail et beaucoup d'improvisation, les deux, ça fait quoi. Donc, voilà. Merci en tout cas, tout ça c'est super sympa, je vous rends hommage, merci d'être là aussi. Merci Cohen.